بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dieu dit dans le Coran, إن الله لا يحب الظالمين. Dieu n'aime pas ceux qui sont injustes. Et Dieu dit dans le hadith Qudsi, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Certes, moi Dieu, je me suis interdit l'injustice et je vous interdis à vous, mes créatures, d'être injustes les uns envers les autres, alors ne soyez pas injustes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: الظلم ظلمات يوم القيامة. Celui qui est injuste sur terre sera dans les ténèbres de l'enfer le jour de la résurrection. Et si vous lisez le Coran avec attention, vous verrez que le Coran est un hymne contre l'injustice. Sans arrêt, Dieu dit quoi? Qu'il n'aime pas les injustes, que les injustes ont... Le devenir des injustes est terrible. D'ailleurs, un des objectifs majeurs de la révélation, c'est de répandre sur terre la justice. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Dieu a envoyé les prophètes pour enseigner aux gens la valeur de la justice pour que les gens puissent vivre dans la justice. Car s'il n'y a pas de justice, il y a quoi? Il y a l'injustice. Et l'injustice mène au désordre et au chaos. Parce que celui qui subit une injustice, même s'il est dominé dans un premier temps, il patiente, sachez qu'il couve en son sein de la haine envers celui qui le fait souffrir. Et son seul projet, c'est de se lever contre l'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ne soyez pas injuste même envers un non-musulman, en croyant que le non-musulman, parce qu'il ne croit pas en Dieu comme vous, Dieu ne va pas l'écouter et l'entendre lorsqu'il se plaindra auprès de lui. Ainsi, celui qui est injuste s'attise la colère de Dieu. Pendant que toi, le criminel injuste, tu dors, l'opprimé qui subit ton injustice, la nuit veille en prière et implore Dieu contre toi. Et le hadith dit que Dieu s'engage à l'entendre et à exaucer ses vœux tôt ou tard. Tôt ou tard, l'injuste paiera et l'opprimé sera secouru. C'est clair? Très bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, il nous recommande de jeûner le jour de Ashura. Et Ashura, normalement, ce sera le lundi 3 novembre. Donc, pas ce lundi, le 27, mais le lundi d'après, 3 novembre. Alors, Ashura, qu'est-ce que c'est? C'est un jour où Dieu nous pardonne nos péchés, c'est ça? De l'année écoulée. C'est l'anniversaire de la mort du symbole de l'injustice, Innahu Tara, le tyran Pharaon, englouti dans les eaux. C'est le jour où les petites gens opprimés vont faire la fête, le peuple de Moïse. C'est pour cela, Dieu dit dans la sourate Al-Hajj, « وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Il faut rappeler aux gens ces grands événements de l'histoire où Dieu a donné la victoire aux opprimés contre leur oppresseur. Donc c'est le jour où Pharaon et ce qu'il représente ont été détruits. Mais c'est aussi pour nous musulmans le jour où le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé martyr. Le 10 du mois de Muharram. Donc le mois de Muharram, c'est le premier mois de l'année du calendrier lunaire musulman. Et Muharram signifie le mois
sacrés par excellence. Car dans le calendrier musulman, vous avez 4 mois sacrés. 3 consécutifs, Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja, Muharram. Là, nous sommes dans la fin de Dhul-Hijja. Muharram va commencer lundi, c'est ça. Ensuite, Rajab. C'est le 4e mois sacré. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des mois sacrés? Parce que chez les Arabes, avant même l'avènement de l'islam, il y avait cette loi des mois sacrés qui interdisait aux différentes tribus de se faire la guerre pendant les mois sacrés. C'est une sorte de pause. Ouais. Pendant ces 4 mois, on se repose. Après, on recommencera les hostilités. Et l'islam a gardé ce principe parce qu'il est bon et utile. Mais regardez ce qui va se passer. En l'année 61 de l'Hégire, le 10 du mois de Muharram, on l'appelle le jour de Ashura. Ashura signifie le 10e jour du mois. En Irak, dans un endroit qui s'appelle Karbala, le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses élèves, sa famille, ses proches, vont être massacrés. Pourquoi? Que s'est-il passé? On va remonter un peu en arrière. Vous savez tous que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait plusieurs casquettes. C'était le messager de Dieu qui transmettait la parole divine. C'était un juge. Les gens venaient se plaindre. Il les écoutait, il rendait la justice. C'était un homme d'État, puisqu'il dirigeait une communauté. C'était un chef de guerre, puisque il devait repousser les attaques de l'ennemi. C'était un père de famille. Donc vous êtes bien d'accord qu'il avait plusieurs casquettes. C'est pour ça qu'il est notre modèle dans tous les domaines de la vie. Avant de décéder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne laissera pas de testament politique. C'est-à-dire, il ne va pas désigner son successeur. Il ne dira pas, après moi, ce sera un tel qui dirigera. J'ouvre une parenthèse. Les chiites, donc une communauté musulmane minoritaire, disent le contraire. Ils disent que le prophète a désigné son successeur spirituel et politique. Et d'après eux, ce serait Ali ibn Abi Talib, son cousin et son gendre. Et ils disent qu'il y a eu un coup d'État. Déjà du vivant du prophète, le prophète était malade, souffrant, et il interpelle quelques-uns de ses compagnons qui étaient présents, dont parmi eux Omar ibn al-Khattab. Le prophète perdait connaissance et retrouvait ses esprits. Et à un moment donné, il dit, ramenez de quoi écrire, je vais vous faire mon testament. Je vais vous dire des choses, si vous faites ce que je vous dis, après ma mort, vous n'aurez aucun problème. Et le prophète perd connaissance. Et dès qu'il a perdu connaissance, les compagnons ont commencé à parler entre eux de ce que le prophète a l'intention de leur dicter comme testament. Et certains disaient, ben, il va sans doute nous dire telle chose. D'autres disaient, non, il va plutôt nous dire telle chose. Et les compagnons se mirent à discuter de ce que le prophète veut leur dire. Et à un moment donné, ils se chamaillent, c'est-à-dire qu'ils lèvent le ton, ils ne sont pas d'accord. Et lorsque le prophète, alayhi salam, retrouve ses esprits, qu'est-ce qu'il va leur dire? Arrêtez de vous disputer en ma présence. Rentrez chez vous, plus la peine de me ramener de quoi écrire. Les chiites utilisent ce hadith qui est dans le Sahih de l'imam Bukhari pour dire que le prophète voulait laisser un testament politique dans lequel il va désigner son successeur, donc pour eux, Ali ibn Abi Talib, mais Omar ibn al-Khattab
et d'autres compagnons qui pressentaient cela et ne voulaient pas que Ali succède au prophète. Et les chiites disent que parce que Omar voulait le pouvoir, donc Omar et les autres ont fait un coup d'état du vivant du prophète pour éloigner Ali. C'est ce que disent les chiites. Alors nous disons que c'est faux. Le hadith est authentique. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de désigner son successeur et que c'était nécessaire, mais il l'aurait fait, personne ne pourrait l'en empêcher. Subhanallah. C'est parce que les compagnons sont disputés en sa présence que le prophète ne va pas transmettre le message. Vous savez ce que disent certains chiites? Ils disent, si, le prophète l'a quand même transmis, mais à Ali. Il n'a pas dit aux autres. Très bien. Si le prophète a transmis cette vérité dont vous parlez à Ali ibn Abi Talib, pourquoi Ali l'a caché? Pourquoi, quand les compagnons se sont réunis, le jour de la mort du prophète, l'après-midi, le prophète est mort en fin de matinée, en fin d'après-midi, les compagnons se réunissent à quelques dizaines de mètres de la mosquée, là où le prophète est décédé. Lorsque les compagnons se réunirent pour discuter, pour choisir le calife, donc le successeur du prophète, pourquoi est-ce que Ali, ce jour-là, le lendemain, le surlendemain, peu importe, la semaine d'après, il n'est pas intervenu pour dire « Oh, vous êtes trompé, j'ai un testament. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a désigné comme successeur. » Pourquoi est-ce que Ali ne l'a pas dit? Bah, tout simplement parce qu'il n'avait pas à le dire, puisque le prophète n'a jamais désigné son successeur. Donc les chiites sont partis dans un délire. Ouais. Et encore aujourd'hui, subhanallah, ils s'accrochent à ce délire qui n'a aucune raison de perdurer. Bref, le prophète n'a pas désigné son successeur. Certains compagnons vont se réunir. Bon, je vais résumer. Hein. Ils vont discuter. Et à la fin, ça va se terminer par le choix d'Abou Bakr. Il y a eu des candidatures. Hein. Celle de Omar ibn al-Khattab. Celle de Sa'd ibn Ubadah. Et à la fin, c'est Abou Bakr qui va faire plus ou moins l'unanimité. Certains ne voulaient pas d'Abou Bakr, dont Sa'd ibn Ubadah. Mais que voulez-vous? La majorité a décidé. Et Abou Bakr va diriger la communauté. Il aura comme ministre Omar ibn al-Khattab, Uthman, Ali ibn Abi Talib, tous les compagnons. Abou Bakr, avant de mourir, après avoir demandé l'avis au grand conseiller, il va suggérer aux musulmans, vous entendez, de choisir Omar ibn al-Khattab parce qu'il est le meilleur, le plus compétent. Et effectivement, les musulmans vont suivre le conseil d'Abou Bakr et ils vont accepter Omar, bien que certains n'étaient pas d'accord pour que ce soit Omar. Mais que voulez-vous? C'est toujours la loi de la majorité. T'es content, t'es pas content, t'as le droit, mais si la majorité décide, on suit. Omar ibn al-Khattab, parce qu'il a été poignardé avant de mourir, il va laisser un testament. Vous savez ce qu'il va dire? Vous voulez mon conseil? Choisissez mon successeur parmi 6 personnes. Ces 6 personnes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, était satisfait d'elles. Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Talha, Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah, Az-Zubayr ibn al-Awwam. Il y en manque un 7e. Vous savez c'est qui? Saïd ibn Zayd. Et Omar n'a pas volontairement conseillé Saïd ibn Zayd. Au contraire, il l'a éliminé de la liste. Pourquoi? Parce que Saïd ibn Zayd, c'est quelqu'un de sa famille. Vous avez entendu? Et vous savez ce qu'a fait Omar? Puisqu'il a dit, choisissez parmi ces 6 personnes. Vous savez les 10 là? Al-Asharatul Mubasharuna bil Jannah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis. Il a cité 10 personnes. Du vivant de Omar ibn Khattab, il en restait 7. Mais Omar, le radis choisissait parmi 6. Le 7e, il l'a éliminé. Parce qu'il fait partie de sa famille. Pour éviter quoi? Pour éviter la succession familiale. Pour éviter que les gens désignent Saïd, qui est un proche de Omar, pour les beaux yeux de Omar, et que ça devienne une sunna, une habitude, et qu'après, le père laisse au pouvoir son fils, ou son frère, ou son oncle. Et regardez ce que va faire Omar, puisqu'ils sont 6. Imaginez-vous, c'est 3 penches pour une candidature et 3 autres pour une autre candidature. Qui va les partager? C'est ce qu'a dit Omar. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour vous partager, non, il n'a pas dit si vous avez besoin. Il a dit, et mon fils Abdullah ibn Omar servira de médiateur pour, si jamais il faut vous partager. Comme ça, il est sûr que son fils ne sera pas calife. Il coupe l'herbe sous les pieds à quoi? À la monarchie héréditaire. Ce sera Uthman qui sera désigné. Uthman va être assassiné par des musulmans extrémistes. Oui, des terroristes. Pas de Daesh, hein, mais de l'époque. Oui. Peu importe comment vous les appelez. Ce qui compte, c'est que ce sont des gens qui ne croient pas au dialogue, qui ne croient pas à la divergence. Pour eux, il n'y a qu'une vérité, c'est la leur. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils vont utiliser toutes les pressions possibles, inimaginables, pour que tu les rejoignes. Et si jamais tu fais de la résistance et tu refuses, ils t'éliminent. Vous avez compris? C'est des extrémistes, oui ou non? Ils existaient à l'époque, hein? Il y en a encore aujourd'hui. Uthman est assassiné et c'est Ali ibn Abi Talib qui va être choisi. D'accord? Vous remarquez, hein? Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, il n'est pas parti porter plainte en disant vous avez pris ma place. Il n'a pas fait de manif, d'accord? Il n'a pas imploré Dieu pour qu'il maudisse Abu Bakr, Omar et Uthman qui ont pris sa place. Ali, c'était le ministre d'Abu Bakr, de Omar et de Uthman. D'accord? D'ailleurs, Omar était marié avec la fille de Ali ibn Abi Talib. Ce que les chiites disent aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Vous savez, cette haine et cette tension entre Ali et les autres. Il y avait des désaccords. Ali n'était pas toujours d'accord, ni avec Abu Bakr, ni avec Omar, ni avec Uthman. D'ailleurs, il y avait un conflit entre Abu Bakr, Ali et Fatima, puisque Fatima, la fille du prophète, alayhi as-salam, elle a réclamé son héritage, et Abu Bakr lui a dit, tu n'auras rien du tout, parce que mes oreilles ont entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire que nous, les prophètes, après notre mort, on ne laisse pas d'héritage matériel. Notre héritage, il est spirituel. Donc si le prophète, après sa mort, il a laissé une terre, ouais, des terrains, ben sachez que ces terrains reviennent à l'État pour la cause des orphelins. C'est une sadaqa. Et Fatima n'était pas d'accord. Et Ali n'était pas d'accord. Mais que voulez-vous? Le prophète a décidé, que ça vous plaise ou non. D'accord? Ali devient calife. Ali va être assassiné à nouveau par des terroristes. On les appelle les Khawarij, les dissidents. Vous savez pourquoi? Parce que Ali n'est pas allé dans leur sens. Au moins, ils auraient voulu que Ali fasse ce qui leur plaît, ce qu'ils pensent être bon, vrai, juste. Ali leur a dit non. Il a dit, bah, puisque tu ne veux pas aller dans notre sens, nous allons te combattre. Alors que c'était ces soldats, ces hommes,
sont devenus ses pires ennemis et ils vont l'assassiner, ils vont le tuer. Allez, il les a combattus. Hein. Vous vous rendez compte, c'est grave ou c'est pas grave? C'est terrible. Hein. Parce que nous avons une minorité de musulmans qui ne supportent pas la divergence et la différence. Et ils sont violents, ils sont extrémistes. Et ils existent toujours. Hein. Et ils se basent sur le Coran et la Sunna hein, pour justifier leur intolérance et leur extrémisme. Quand Ali est mort, les musulmans d'Al-Kufa vont reconnaître son fils comme calife, qui s'appelle Al-Hassan. Al-Hassan, le fils de Fatima, le fils de Ali. Al-Hassan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien, puisqu'un jour, le prophète va dire en public « Hada ibni Sayyidun ». Ibni, mon petit-fils. Hein. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Et le prophète, à plusieurs reprises dans des hadiths, exprimait son amour pour qui ? Pour ses enfants et ses petits-enfants. En l'occurrence, Al-Hassan et Al-Hussein. Puisqu'il disait Al-Hassan et Al-Hussein, Sayyida, Shababi, Ahlil Jannati. Ce sont les princes du paradis. Et il disait Al-Hassan et Al-Hussein, Rayhanataya fid dunya. Ils sont source de plaisir et de bonheur pour moi, sur terre et dans l'au-delà. Il disait même dans des hadiths, celui qui aime Hussein même. C'est ça. Le prophète était très proche des enfants et de ses petits-enfants. Le Jumu'a, il fait la khutba, il voit son petit-fils Al-Hassan Al-Hussein qui rentre dans la mosquée à quatre pattes, il arrête la khutba. Hein. Il descend, il prend l'enfant dans ses bras et il l'embrasse devant tout le monde. C'est beau, c'est pas beau? C'est fort quand même. Hein. Et les khutba Al-Jumu'a, le prophète coupe la khutba. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher, c'est tellement il aime. Et il prend le gosse. Hein. Et devant tout le monde, il dit « Je l'aime, aimez-le ». Regardez comment le prophète exprimait son amour. Mais aujourd'hui, la khutba, c'est très solennel, non? Vous n'avez pas vu? Ouais. C'est même un peu violent parfois. Ouais. Parce qu'il y a un bâton, il y a... Ouais. Si jamais tu as le malheur de te gratter le nez, tu es mort. Ah oui, c'est ouard la khutba. Attention, bouge pas. Mais qui est, je veux dire, expression d'amour comme ça, c'est incroyable. Hein. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en train de faire la khutba, il y a un bédouin qui rentre, il lui dit à Mohammed, j'ai des questions à te poser. C'est ce qu'il fait, le prophète. Il arrête sa khutba, on lui ramène une chaise, le prophète s'assoit sur la chaise, et puis le bédouin lui pose des questions, le prophète lui répond. Une fois qu'il a fini, ben le prophète il recommence sa khutba, le bédouin il s'en va. Le prophète, c'est pas quelqu'un de rigide, de rigoureux. Il savait quoi? Il savait composer et s'adapter à toutes les situations. C'est beau ou c'est pas beau? Le prophète fait sa prière en tant qu'imam dans la mosquée. Le Hussein il rentre dans la mosquée ou bien le Hassan. Ben direct, il fait quoi à votre avis? Ben, il s'en va, il se jette sur le prophète qui est en train de prier. Vous savez comment le prophète, c'était un aimant. Quand les gens le voyaient, ils couraient vers lui tellement il dégageait de l'amour. Et le hadith dit qu'un jour le prophète était prosterné et son petit-fils est monté sur son dos puis s'est assis sur lui. Et le prophète est resté prosterné. Il ne bouge pas. Il attend que le gosse descende de lui-même. Et le gosse, à votre avis, il a envie de descendre? Ah, attends, il est trop bien là où il est. Il est sur le dos de son grand-père chéri. Il ne veut pas descendre. Mais le prophète ne veut pas bouger. Parce qu'il ne veut pas le déranger. C'est incroyable quand même. Hein. Quel amour, subhanallah. Et c'est la prière. Hein. Et c'est l'imam. Oui ou non? Il est resté tellement longtemps prosterné que les compagnons derrière ont flippé. Ils ont dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pris? Peut-être qu'il est tombé évanoui. Peut-être qu'il est mort, le prophète. Et un sahabi, c'est ce qu'il a fait? Il a levé sa tête pour regarder ce qui se passe. Parce qu'il avait peur pour le prophète.
Et quand il a levé sa tête, à votre avis, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une scène d'amour, de miséricorde et de tendresse sans précédent. Le prophète prosterné et le gosse assis en train de regarder les gens. C'est presque s'il n'aura pas fait un pied de nez en leur disant « je bouge pas d'ici ». Et le prophète, vous allez voir, il va me laisser sur son dos autant que je veux parce qu'il est une miséricorde. L'autre hadith, sa petite fille Umayma, c'est ça? Elle vient, le prophète la prend dans ses bras et il prie. Et il dirige la prière dans la mosquée avec l'enfant, la petite fille dans ses bras. C'est beau ou c'est pas beau? Aujourd'hui, dis à un gosse de passer devant toi, tu verras ce qui va lui arriver, miskin. Il se prend une barrière directe, boum, qu'elle est que c'est haram parce que c'est shaitan. Un gosse, hein? Je veux bien un adulte, il ne faut pas qu'il passe devant toi, mais un gosse, miskin. Non, c'est quand même pas un shaitan, un gosse. La preuve, il montait sur le prophète dans la prière. Le prophète le portait dans sa prière. Donc le prophète aimait bien Al-Hassan et Al-Hussein, oui ou non? Il les adorait. Un jour, il était avec ses compagnons, il marchait dans la rue et il voit le Hussein. Hussein, il est né l'année 4 de l'Hégire. Donc quand le prophète est décédé, il avait 6 ans et demi, 7 ans. Donc il voit le Hussein avec des enfants. C'est ce que fait le prophète? Il court vers lui et il s'amuse avec lui, il essaie de l'attraper et l'enfant, il se sauve. Devant tout le monde. Et quand le prophète l'attrape, il l'attrape par la tête et il l'embrasse. Vous voyez, le prophète, alayhi salam, il est accompagné avec ses ministres. Voilà, quand il voit les enfants. C'est beau? Très bien. Ceux qui aiment le Hussein aiment le prophète. Ceux qui détestent le Hussein détestent le prophète. Fatima, c'est une partie de moi. Ceux qui lui font du mal me font du mal. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Celui qui aime Ali m'aime. Celui qui déteste Ali me déteste. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. C'est qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, je vais vous laisser deux choses, deux lanternes. Si vous accrochez à ces deux choses que je vais vous laisser, vous n'allez pas couler, vous n'allez pas vous perdre. Le Coran et non, pas la Sunna. Le Coran et ma famille. Eh oui. Le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Bukhari dit El Kitabullahi wa Atrati. Le Coran et ma famille. Le hadith qui dit le Coran et la Sunna, c'est un autre hadith qui existe. On est d'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Mais alors on répète toujours Coran, Sunna. Et on oublie le hadith. Ou bien on ne nous l'a pas dit, on ne peut pas l'oublier, on ne nous l'a même pas dit. Non? Tu le savais? Tu ne le savais pas? Tu as vu que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Tu as bien fait de patienter. Hein? Ajib. Hadith sahih. Je vous ai laissé deux choses. Accrochez-vous à ces deux cordes, sinon vous allez vous perdre. Le livre de Dieu et ma famille. Et les musulmans ne connaissent pas ce hadith. Alors que le hadith dit « L'entendez-lo ba'di abadan » Vous n'allez pas vous égarer si vous accrochez à ma famille. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas accrochés à la famille du prophète sont égarés à moitié. Ils ont une corde, mais il leur manque là la deuxième. J'ouvre une parenthèse. Vous êtes prêts? Les chiites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est nous qui croyons la famille du prophète et qui suivons la famille du prophète et qui aimons la famille du prophète. Vous, les sunnites, vous êtes des traîtres. Vous êtes égarés. Vous avez peut-être le Coran, mais vous le trahissez puisque vous ne suivez pas la famille du prophète. En plus, vous avez dans vos livres de hadith authentiques le hadith qui dit « Accrochez-vous au Coran, la famille du prophète. » Donc, vous êtes à côté de la plaque. Eh oui. Alors,
Ils ont raison en partie, mais ils ont tort. Ils ont raison en partie parce qu'on ne met pas assez l'accent sur la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont tort en faisant croire qu'ils ont le monopole de l'amour de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon? Vous me suivez? Donc, il nous est demandé à nous, musulmans, d'aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tout ce que le prophète aime. Le prophète, il aimait sa famille, oui ou non? Il l'aimait, donc nous l'aimons. Un petit clin d'œil aux chiites. Le prophète aimait sa famille, il nous demande de l'aimer. Ok. Nous aimons le prophète et nous aimons sa famille. Vous dites qu'il y a un hadith chez nous qui est authentique, qui dit le livre de Dieu et la famille du prophète, nous le reconnaissons. Vous dites qu'on a trahi ce hadith, c'est faux. Même si certains musulmans sont ignorants, ne le connaissent pas, l'ignorant n'est pas responsable. Il faut lui enseigner. Et après, s'il rejette, il est responsable. Très bien. Pourquoi vous mettez en évidence des hadiths dans le Bukhari quand il vous arrange et vous occultez les hadiths qui sont dans le Bukhari qui vous dérangent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih de l'imam Bukhari, Hubbul ansar min al-iman wa burdul ansar min al-nifaq. L'amour des compagnons du prophète médinois, c'est une preuve de foi. Et les détester, c'est une preuve d'hypocrisie. Et on sait tous que les chiites considèrent 99% des compagnons du prophète comme des hypocrites et des traîtres et des mécréants. Donc, n'utilisez pas le Bukhari quand il vous arrange. Soyez honnête et cohérent. Dites que oui, peut-être les musulmans sunnites sont pas au top dans le suivisme de la famille du prophète. Oui, ok, très bien. C'est dû à quoi? C'est dû à leurs savants, leurs imams qui n'ont pas fait le travail. C'est dû aussi à une réaction contre le chiisme qui exagère dans l'amour du prophète. Mais en tout cas, on ne règle pas le problème en créant un autre problème qui s'appelle la haine d'une partie de la famille du prophète et la haine de la majorité des compagnons du prophète. Car ça, c'est un égarement manifeste. Comment vous pouvez prétendre aimer la famille du prophète alors vous détestez sa femme Aïcha, radiallahu anha? Elle ne fait pas partie de sa famille, mais c'est grave. Vous voulez restreindre la famille du prophète à Ali, Fatima, El-Hassan et Al-Hussein, c'est faux. Oui, ils sont le noyau de la famille du prophète, ces quatre. Mais les épouses du prophète sont la famille du prophète. Al-Abbas fait partie de la famille du prophète et ses descendants. Hamza fait partie de la famille du prophète, etc., etc., etc. Parenthèse, hein. Donc, on doit aimer la famille du prophète, mais pour les aimer, il faudrait d'abord les connaître, mais ou non? Donc, il faut étudier la sira, la biographie. Qui est le Hussein? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? En quoi il est un modèle et un exemple? Qui est le Hassan? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? En quoi il est un modèle et un exemple? On est d'accord? Et nous allons prendre de l'Hassan et de l'Hussein ce qu'il y a de meilleur. Et les erreurs de l'Hassan et de l'Hussein, ben on les met de côté. Puisque l'Hassan et l'Hussein, Fatima et Ali, ne sont pas des prophètes ni des anges. Ça reste des êtres humains avec des qualités, avec des défauts, avec des faiblesses, avec des manquements et avec des erreurs. Ça va? On ne va pas les sacraliser, en faire des dieux ou des demi-dieux, comme c'est le cas chez les chiites. C'est ça? Qui ont fini par dire que ils sont parfaits, ils sont infaillibles, eux et leurs descendants. Et en même temps, nous n'allons pas faire comme s'ils n'existaient pas en réaction au chiisme. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 du mois de Muharram de l'année 61 de l'Égir? Qu'est-ce qui s'est passé? El-Hassan devient calife. Mais El-Hassan a en face de lui un homme qui est assoiffé de pouvoir,
qui s'est déjà battu contre son père, Ali ibn Abi Talib, pour avoir le pouvoir. Cet homme s'appelle Muawiya, le fils de Abu Sufyan, un converti de la dernière minute, c'est-à-dire après la prise de la Mecque. Et Muawiya ne le cache pas, il veut le pouvoir, il veut être calife. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fera la guerre à Ali ibn Abi Talib, fameuse bataille de Siffin. Et c'est clair et net que Muawiya avait tort. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari, non, rapporté par tous les compilateurs, rouat, les compilateurs de hadith. Le hadith est mutawatir. Vous entendez? Mutawatir, comme le Coran. Le hadith dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ammar ibn Yasir, taqtuluhu al-fi'atu al-baghiyatu, yad'uhum ila al-jannati wa yad'unahu ila al-nar. Ammar va être tué par le groupe de musulmans injustes. Ammar les appelle au paradis. Et eux, ils veulent l'emmener en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ammar était dans le camp de Ali ibn Abi Talib, le calife. Et Muawiya a tort en prenant les armes contre le calife, parce que Ali était juste, il lui devait l'obéissance. Ainsi, Muawiya et les siens attiraient les gens vers le péché, l'enfer. Car il ne voulait pas se soumettre à l'autorité califale musulmane légale de Ali ibn Abi Talib. Oui, c'est une gaffe, c'est une erreur monumentale. El Hassan, il devient calife et vous savez ce qu'il va faire? Il va se retirer et il va laisser le pouvoir à Muawiyah. À tort ou à raison pour certains, j'ai même pas envie d'en discuter maintenant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est retiré. Certains diront que Muawiya le tuera par la suite en l'empoisonnant. Je discute pas ça, c'est pas le sujet. Qui c'est qui devient calife maintenant? C'est Muawiya, l'année 41 de l'Hégire. C'est là où naît une dynastie qu'on appelle les Omeyyades. El-A-Ma-Wi-Youn. Parce que Muawiya, le fils d'Abu Soufiane, le fils de Harb, le fils de Umayya. Vous entendez? Umayya, Omeyyade. Pour ça qu'on les appelle comme ça. L'année 41 de l'Hégire, un tournant de l'histoire de l'islam. Muawiya devient calife, c'est ça? Non. Muawiya devient roi. C'est pas la même chose. Un roi. C'est quoi la différence entre un calife et un roi? Un calife, il a été choisi par les musulmans, ou même s'il a été désigné, les musulmans l'acceptent, parce que c'est quelqu'un de compétent et c'est le meilleur. Un jour, Omar ibn al-Khattab pose la question à un compagnon, Abu Musa al-Ash'ari, Ubay ibn Ka'b, je sais plus lequel des deux, Ubay ibn Ka'b plutôt. Il lui dit à Ubay, c'est quoi la différence entre un calife et un roi? C'est quoi la différence? Malik, Khalifa. Vous savez qu'est-ce que lui a dit Ubay? Il lui a dit la différence entre le roi et le calife, c'est la gestion des finances. Si tu prends l'argent des impôts, ouais. Tu récupères l'argent des impôts comme il se doit, c'est-à-dire les riches qui donnent, les pauvres tu ne les touches pas, et tu redistribues à qui de droit, tu donnes aux pauvres et pas aux riches, tu es un calife. Elle était quelqu'un qui suit le Coran. Par contre, si tu prends l'argent à ceux qu'il ne faut pas, les petites gens, pour le distribuer à ceux qu'il ne faut pas, les riches, bien, piston, la famille, etc. Alors tu es un roi, c'est-à-dire quelqu'un
d'injuste. Inna al-muluka ida dakhalu qaryatan afsaduha. Les rois, en général, ce sont des dictateurs. Et vous savez ce qu'ils font ? Les privilèges. Ils donnent en fonction de l'intérêt, pas en fonction d'une logique sociale, économique. Et ils privent en fonction aussi de l'intérêt. Donc un calife, c'est quelqu'un de juste dans la gestion des affaires de la communauté. Un roi, c'est quelqu'un d'injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad: je vais rester prophète jusqu'à ce que Dieu me rappelle. Il est resté prophète combien de temps ? 23 ans. Et après moi, vous aurez des califes pendant 30 ans. Vous avez entendu ? Vous aurez des califes pendant 30 ans. Abu Bakr, Omar, Usman, Ali, c'est tout. Allez, rajoutez. Non. Qui ça ? Al-Hassan ibn Ali, qui a dirigé 6 mois. Vous avez compris ? Donc, prophète, après le prophète des califes. Dans un autre hadith, il a dit 30 ans. Et après, vous aurez des rois. Et vous savez comment ils les appelaient ? Al-Mulku al-Adud. Allez, des rois qui vont vous mordre. Allez, des rois qui font mal. Vous avez compris ? Dans un autre hadith, si vous leur obéissez, vous désobéissez à Dieu. Si vous leur désobéissez, ils vous tuent. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les premiers qui vont changer ma sunna, les premiers dirigeants qui vont transformer la sunna du prophète, c'est-à-dire qui vont transformer la manière dont le prophète a dirigé. Le prophète, il a dirigé. Il a dirigé comment ? Avec justice ou injustice ? Avec équité ou iniquité ? Très bien. Les premiers qui vont remettre en cause la gestion islamique des affaires de la communauté du prophète, ce sont qui ? Ureilima min hadal hayy. Des jeunes de ce clan. Il parle de qui ? Les Banu Umayya. Et c'est vrai, la preuve, regardez. Muawiya devient roi, il a pris le pouvoir par la force. Et avant de mourir, vous savez ce qu'il va faire ? Il va faire quelque chose de grave. Il va désigner son fils comme successeur. Et voilà, on est tombé dans la monarchie héréditaire. Vous avez compris ? Au lieu que ce soit les musulmans qui choisissent le dirigeant, c'est le dirigeant, avant de mourir, qui choisit ? Qui ça ? Celui qui va le remplacer. C'est-à-dire, oh vous les 10 millions, les 50, les 100 millions de musulmans, j'en ai rien à cirer de votre opinion. Ouais. C'est moi le roi tout-puissant qui vais penser à votre place. Et comme je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous, je décide à votre place. Vous avez compris ? Wa ma urikum illa ma wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Il y a quelqu'un qui a dit ça avant, non ? Ouais ? Ah, si seulement Muawiya avait choisi un de ses fils qui était magnifique, qui était super, qui était compétent. Ça passe ou ça passe pas ? Ça va. Moi, je m'en fiche. C'est ton fils, ton père. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que
le dirigeant soit compétent. Ouais. Parce qu'il doit être au service des autres et non pas les autres à son service. Vous savez, Mouawiya, il a choisi qui parmi ses gosses? Le pire. Oui, Yazid. Yazid al-Arbid. Yazid l'alcoolique. Ouais. L'alcoolique. Le délinquant. Et il va l'imposer par la force aux musulmans. Et si vous ne voulez pas l'accepter, bon gré, vous allez l'accepter malgré. Alors vous savez ce qu'il fait? Il demande aux musulmans de son vivant, alors qu'il est encore calife, de reconnaître un deuxième calife. Chose qui est impensable. Vous imaginez, on a deux présidents de la République en même temps? C'est acceptable? Non. Soit il démissionne, soit il meurt. Mais quand même pas, non? Non, non, non. C'est moi le calife. Et vous allez reconnaître un deuxième calife qui s'appelle Yazid, mon fils. Et là, les gens intelligents pètent les plombs. Ils disent, mais t'es fou, on n'a pas le droit. C'est anti-islamique, on ne peut pas avoir de chef. Il a dit, à prendre ou à laisser. Soit vous acceptez, sinon... j'ai les moyens de vous faire. Ah oui. Vous allez vous soumettre par la force et vous ne voulez pas vous soumettre hypocritement. Bah écoutez, les gens vont se soulever. Ils ne vont pas accepter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il arrivera un temps où le Coran et le pouvoir vont se séparés, le Coran et le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui vont diriger ne vont plus diriger la communauté à la lumière des principes du Coran. Quels sont les principes du Coran? Le dirigeant, il doit être quoi? Il doit faire quoi? Il doit être juste, il doit être compétent, il doit être musulman, etc. Et il doit gérer comment? Bah, de la meilleure façon, il doit optimiser, il doit rechercher l'intérêt du peuple et repousser tout ce qui est mauvais pour le peuple. Ben, le prophète, alayhi salam, dit, viendra un temps où le Coran et les dirigeants vont s'éloigner les uns des autres. C'est-à-dire, ceux qui dirigent ne vont plus diriger à la lumière des principes du Coran. Ils vont diriger à la lumière des principes de qui? De Pharaon. C'est-à-dire, j'ai les pleins pouvoirs, je fais ce que je veux, et si t'es pas content, la prison. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, suivez le Coran et ne les suivez pas. C'est incroyable. Hein? Obéissez au Coran et n'obéissez pas à Pharaon, au despote, au tyran. Dans un autre hadith, il a dit, vous allez avoir des dirigeants. Si vous leur obéissez, vous désobéissez à Dieu. Si vous leur désobéissez, ils vous combattront et vous tueront. Ils ont dit, prophète, on fait quoi alors? Il a dit, bah écoutez, il vaut mieux mourir martyr en obéissant à Dieu que vivre comme des esclaves. C'est-à-dire, n'acceptez pas la tyrannie du tyran. Parce que ça va vous coûter cher. Le propre de l'être humain, c'est qu'il doit être libre, oui ou non? Si tu acceptes de te faire diriger par Pharaon, tu n'es plus libre. Il va décider de tout pour toi. Alors, les gens ne vont pas être d'accord avec Mouawiya. Et ils vont s'opposer à lui. Et parmi les gens qui s'opposent, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Parmi les gens qui s'opposent, Mohammed, le fils d'Abu Bakr Siddiq. Parmi les gens qui s'opposent, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam. Parmi les gens qui s'opposent, Al-Hussein ibn Fatima alayhim as-salam. Ça va, vous me suivez maintenant? Et Muawiyah avait dit à son fils Yazid, tu vas rencontrer des problèmes avec quatre personnes.
Mohammed, le fils d'Abu Bakr, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Zubayr et Hussein ibn Ali. Ces quatre, ils ne se laisseront pas faire. Et effectivement, ils ne se sont pas laissés faire. Mais à la fin, Abdullah ibn Omar va baisser sa garde. Oui. C'est l'heure de l'Aïcha. Ah, c'est passé carrément. On va vous demander à l'assistance de continuer un quart d'heure là, 10 minutes s'ils veulent, soit après l'Aïcha, comme vous voulez. 5 minutes. Vous êtes d'accord pour 5 minutes? Oui. Il n'y aura pas de manif? Non. Il n'y aura pas de révolte? Il n'y aura pas de coup d'État? 5 minutes et j'arrête. Et le Hussein ne va pas accepter. Ubaydullah ibn Ziyad va demander à Médine, dans la mosquée du prophète, que les gens prêtent serment. Et il va convoquer Abdullah ibn Zubayr et le Hussein ibn Ali la nuit et lui diront: demain matin, on te donnera la réponse. Et dans la nuit, ils vont se sauver. Ils vont aller se réfugier à la Mecque parce qu'ils refusent de se soumettre à ce pseudo calife désigné de force, imposé de force, et en plus alcoolique, qui prie pas, etc. Et qu'est-ce que va faire Al-Hussein? Il va rester dans l'opposition, et à un moment donné, les gens de Basra, Bassora en Irak, vont l'appeler en lui disant: viens nous rejoindre, tu es notre chef pour combattre cet homme qui a pris le pouvoir par la force. Et Al-Hussein, avec ses proches, avec sa famille, avec ses élèves, il va quitter la Mecque, bien qu'il ait été conseillé par son cousin Abdullah ibn Abbas de ne pas y aller. Parce que ces gens-là qui l'ont dit: viens, nous sommes plus de 100 000 tes soldats pour combattre la tyrannie. Abdullah lui disait: ce sont des traîtres, ils vont te lâcher. Et c'est ce que lui a dit aussi Abdullah ibn Omar. Mais Hussein était convaincu qu'il ne fallait pas rester les bras croisés, qu'il fallait combattre la tyrannie. Et il va aller en Irak. Et d'ailleurs, sur le chemin, il va croiser le fameux poète El-Farazdaq, à qui il dira: est-ce que tu as des nouvelles de cette région du monde? El-Farazdaq lui dira: oui, tout à fait. Mais pas une bonne nouvelle pour toi. Il lui a dit: ah bon? Les gens ne m'attendent pas? Il dit: si, si, ils t'attendent. Leurs cœurs sont avec toi. Ils sont avec toi de tout cœur. Ils t'aiment bien. Les idées que tu prônes, ils sont d'accord avec toi. Hein, ils sont épris d'amour, de justice, de liberté. Mais leurs épées ne sont pas avec toi. Ils sont avec les Omeyyades. C'est-à-dire, ce sont des lâches. Avec toi, ils vont te dire: ouais, ouais, t'as raison, on est derrière toi. Et dès que ça va chauffer, ils vont vite changer de camp parce qu'ils ne sont pas prêts d'assumer leurs idées. Alors que Hussein, lui, rigole pas. Vous savez ce qu'il va faire? Il va aller jusqu'au bout de sa logique. Et ça va se terminer avec un face-à-face entre un bataillon de l'armée Omeyyade et Hussein, le petit-fils du prophète bien-aimé. Et à peine 80 personnes. Et à Karbala, Hussein va être sauvagement abattu. Et c'est un massacre à la tronçonneuse. Ne restera vivant de sa descendance qu'un petit garçon qui s'appelle Ali ibn al-Hussein, qui deviendra Ali Zain al-Abidin. Et les femmes et les filles. Mais le pire, c'est même pas ça. C'est qu'on va décapiter le Hussein. Et on va ramener sa tête et l'offrir au roi, au tyran, au despote alcoolique de Yazid à Damas. Et c'est une catastrophe. Vous vous rendez compte? Le petit-fils du prophète tué et assassiné, par qui? Par des musulmans. C'était juste une question d'amour du pouvoir. Vous avez compris? Donc, les intégristes terroristes fanatiques, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Ils existaient dès les premiers temps de l'islam. Et qui a subi les foudres de ces gens-là? Les premiers qui ont souffert de ce fanatisme de malade, ce sont les musulmans.
Ce sont les plus proches, les descendants du prophète. Et ma main coupée, si le prophète était vivant parmi eux, il l'aurait combattu, il l'aurait tué. La preuve, ils ont tué son petit-fils. Sans foi ni loi. C'est ce qui s'est passé le 10 du mois de Muharram, Ashura. Bon, j'avais dit 5 minutes, là ça fait 6. Ouais. On va s'arrêter ici. Voilà, c'était de l'histoire. Et il faut connaître l'histoire. Et quand vous connaissez l'histoire, bah, vous savez mieux et vous comprenez mieux ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez peut-être voir à la télévision, ou bien vous allez sur le net, vous allez voir les chiites. Le jour de Ashura, ils font des manifestations. Et certains prennent des chaînes et ils se flagellent. C'est ça ? Ils prennent des couteaux, ils donnent des coups de couteau. Pourquoi ils font ça ? Vous savez pas pourquoi ? Non, ils font ça le jour de Ashura en mémoire du massacre de l'Hussein et de sa famille. Vous avez compris ? Il a l'air de dire, on est prêt à se sacrifier pour toi. Et certains, écoutez bien, disent, c'est de notre faute s'il s'est fait massacrer parce qu'on l'a abandonné au champ de bataille. Ce n'est les autres qui lui ont dit, viens. Ils ont fait quoi à votre avis ? Quand ça a chauffé, il n'y en a pas un qui est parti l'aider. Ouais. Donc certains ont un regret et ils se flagellent en disant, on l'a abandonné. Ils se culpabilisent, effectivement. Certains se culpabilisent. Aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, juste après, il y aura des rébellions sans arrêt. Il y aura même une armée qu'on appellera les Tawwaboun. Ceux qui se repentent, ceux qui se sont culpabilisés de ne pas l'avoir soutenu et qui l'ont livré à l'armée de Ziyad. Ouais. Bref, je résume. Ok. Nous aimons la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. El Hussein est un exemple et un modèle pour nous. Exemple de quoi et modèle de quoi ? Il est un modèle du musulman qui n'accepte pas la tyrannie, la dictature. Vous avez compris ? Il ne faut pas accepter d'être un esclave. Omar ibn al-Khattab a dit : qui vous a donné le droit de faire des gens des esclaves alors que leurs mères les ont mis au monde libres ? C'est vrai qu'il faut qu'on soit organisé, il faut qu'on ait des chefs et des responsables. Mais c'est nous qui devons choisir nos responsables. Et le mec qu'on a choisi pour être responsable, il est à notre service. Et nous ne sommes pas à son service. On le paie pour qu'il bosse pour gérer les affaires de la communauté. Et s'il déconne, on le vire, on le juge. Et s'il vole et qu'il mérite que sa main soit coupée, sa main sera coupée. Car notre prophète a dit, c'est Fatima, ma fille, venait à voler, c'est moi qui lui couperai la main. Mais vous avez remarqué ce qui se passe dans le monde musulman ? Ils sont au pouvoir, ils volent le peuple. La richesse du peuple appartient à un homme et à sa famille. Et les gens crèvent de faim et de soif. Ils n'ont même pas les moyens de se soigner. Ils sont obligés de prendre la mer et mourir noyés. Ils sont obligés de se faire manger par des requins. Parce qu'ils n'ont plus rien à manger dans leur pays. À cause de qui ? À cause des tyrans, des dictateurs, des despotes qu'on n'a pas choisis, qui nous ont été imposés. Et certains savants vous disent, il faut obéir à celui qui dirige. Ah bon ? Il faut obéir au pharaon maintenant ? Il faut dire amen à pharaon ? Non. J'obéis à un chef qui est juste. J'obéis à un chef qui est bon. Mais je n'obéis pas à un tyran qui exploite, qui pousse les gens à désobéir à Dieu, qui n'applique pas la loi de Dieu. C'est pour cela que les révolutions dans les pays musulmans sont l'expression de la sunna du prophète via son fils El-Hussein qui n'a pas accepté de se soumettre à Yazid l'alcoolique. Et je ne vous parle pas des Yazids aujourd'hui qui dirigent, qu'est-ce qu'ils font ? Bon, je m'arrête ici, il faut faire l'Aïcha. Et puis, il y en a certains qui vont dire, oh là, il a encore déconné le mec. Oh, il est parti loin. C'est rien. Vive la démocratie, vive la liberté d'expression. Heureusement qu'on est en France, alhamdoulilah. Wassalamu alaikum.